regardez un petit peu tout ça. Qu'est-ce que sont tous ces super gros colis? T'as vu un peu, Diabolo? Et ce serait pas des jouets Amazon? Oh, j'ai envie de voir à l'intérieur. Montre-moi, s'il te plaît, vite fait, c'est quoi ça? Wow. Non, hé, doucement. Comme tu peux le voir, il y a aujourd'hui un tas de colis Amazon qu'on va déballer dans cette vidéo, en commençant par celui-ci, par exemple. Ok, d'accord, attends, peux toucher un petit peu, voir. Oh, wow, c'est super lourd. Tellement lourd. Ok, bon, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour le premier objet Amazon. Une pochette, à première vue, on dirait un ordinateur, mais ça a l'air d'être beaucoup plus moelleux à l'intérieur. Vas-y, on va ouvrir ça, c'est parti. What? Oh, wow. C'est censé être quoi, ça? Mec, ce serait pas un bon bonbon? J'ai l'impression qu'on est sur un... Non, attendez. Mais si, mais c'est vraiment ça. Mais c'est un faux ventre de femme enceinte. Oh, what? J'ai trop envie de tester ça pour voir si c'est réaliste ou pas. Donc, je vais l'installer. Regardez, il y a même le petit nombril et tout. Bon, tu sais quoi? Je l'installe et tu me dis ton avis. Regarde ça un peu. C'est vraiment un beau petit ventre. Déjà que récemment, j'avais pris un peu de poids. Alors, en plus de ça, maintenant, avec mon ventre de femme enceinte, j'ai l'impression qu'en effet, j'ai bel et bien un bébé là-dedans. En plus, c'est vraiment lourd et tout. Moi, je te dirais de faire une petite danse qui est très connue. Tu fais yes. Ok, bon. Quelle note tu mets pour ce faux ventre là pour l'instant? Je lui mets une bonne petite note, c'est pas trop lourd en vrai à porter. Bah, un petit peu quand même, hein. Je comprends les femmes enceintes. Bon, 4 ou 5 kilos. Je mettrai la note de 8 sur 10 pour ce petit ventre. Mais on passe maintenant à l'objet suivant. C'est parti pour le nouvel objet. Et dans quel carton tu veux fouiller, Diabolo? Parce que on a ceux ici et ceux là. Mais là, je crois qu'on a des trucs intéressants, t'es chaud? Oh ouais, c'est parti, let's go. Oh, ouais, mec, y a tellement de trucs à l'intérieur. En effet, y a plein de jouets, mais vas-y, on en prend. Oh, waouh. Attends, mec, c'est incroyable ça. Qu'est-ce que c'est? Mais on dirait pas les gants de Hulk, ça? Mec, ça a l'air incroyable. Attends, vas-y, tiens, on déballe ça pour voir. Oh, y a même un petit point et tout pour le tenir. Mec, c'est vraiment. Il y a une poignée à l'intérieur pour pouvoir avoir de la force pour taper. Attends, si on accumule ces gants d'Hulk plus une petite tenue, peut-être qu'on deviendra super fort. Tiens, déjà je te laisse essayer. Oh, je suis devenu super puissant. Il me manque une petite tenue pour être encore beaucoup plus puissant. Là je sens que j'ai de la force et je vais attaquer Twinner, mais dites rien surtout. Boum. Voilà, c'est bon, je suis super costaud. Avec mes points de Hulk, je vais attaquer Twinner. Mais surtout, lui dites rien. Regardez, il dort là-bas. Oh, what? Il a la chose sur son épaule. Aïe 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 aïe, mec, ça mais c'est quoi ce gros super vénère? Je vais donner un tout petit coup, ils ont vu la puissance que j'ai. Mais oh gros. Aïe aïe aïe, arrête Diabolo s'il te plaît, mec, je suis désolé. Ça te dirait qu'on essaye de faire un bras de fer pour voir si je peux battre Hulk? Ok, c'est parti. A ton avis, qui va gagner, Twinner ou Hulk Diabolo? C'est parti. Mets un commentaire tout de suite pour savoir. Allez, c'est parti, let's go. 1, 2, 3, 1. Ok, bon, les potes, ces gants sont clairement magiques et super efficaces. Et objet suivant. Il y a un objet qui est particulièrement lourd à l'intérieur de ce carton. C'est pour ça, Diabolo, j'ai envie de le récupérer. What? Wow. Oh, c'est le jeu de la pince. Regardez un petit peu. Il y a une machine ici avec une petite pince. Un peu comme quand on va dans une foire pour essayer de récupérer des peluches. Sauf que là, on l'a à la maison. Let's go. Non, j'y crois pas. Je pense pas que c'est vraiment ça. Oh, mais regarde, c'est incroyable. Tu penses que ça marche pour de vrai? Essaye avec une petite peluche pour commencer. Ça te dit pas qu'on met un peu plus d'objets là-dedans? Parce que y'a que des doudous et moi, je préfère les bonbons. Ok, c'est parti, let's go, va chercher tous ces bonbons. Eh, c'est bon, j'ai ramené quelques bonbons. Vas-y, du coup, on met ça directement à l'intérieur. Ok, on en met plein, ouais, comme ça. Vous allez voir, on va gagner, j'espère, plein de bonbons. Regarde, il y a un petit collier. Eh, ça, c'est moi qui vais le gagner, Diabolo, tu vas voir. Oh, le collier, j'ai tellement envie de le gagner. C'est moi qui vais le gagner plutôt, on va voir ça. Bon, comme tu peux le voir, il y a quelques pièces. Mais je suis un petit peu un radin, donc je t'en donne juste 3, ok? Twinner, t'es super riche, regardez toutes ces pièces. Non, arrête de me les voler. Bon, on va faire chacun 3 tours. Vous pouvez le voir avec ces 3 petites pièces. Et l'objectif, c'est de récupérer le superbe collier en bonbon extrêmement rare. Bon, en plus, il est presque tombé. Il est presque tombé, le collier. Oh là là, ça va se jouer là dans les prochains instants. Ok, Diabolo, ok. On va essayer de récupérer quoi? Je crois que j'ai la sucette. Non. Quoi? Ok, ok. J'essaie le collier. On va voir. Allez, allez. Super nul. Bon, t'as essayé, à mon tour. Hop, j'introduis une petite pièce et c'est parti. Ok, alors moi, j'ai un autre objectif. Vas-y, regardez cette sucette là. Vous la voyez là, celle-là, hein? Et bah, regardez, elle est rien que pour moi. Oh non, mais quoi?
Mais c'est quoi cette machine super nulle? Bon, Diabolo, t'as encore un essai? Ouais, enfin après j'ai pas beaucoup d'essais parce que tu m'as donné que 3 pièces, espèce de radin. Allez, je mets une petite pièce, c'est bon, ok. Ok, je vais essayer de choper le petit colis là, juste ici. Allez, je descends. Allez, on remonte. Ah non. Mais je suis trop nul. Il me reste deux pièces. C'est maintenant mon tour. Et là par contre, je vais récupérer un truc n'importe lequel. Le premier qui récupère un objet a gagné de toute façon. Hop, on remet la petite pièce et let's go. Alors là par contre les potes, je vais vraiment en avoir une. Vous allez voir. Regardez. Oh, ok les gars, je crois que j'ai peut-être un bonbon. Ouais, oui. Allez, vas-y, je l'ai récupéré. Allez. Non, mais quoi, mais t'inquiète pas, je vais finir le travail. Je décale un tout petit peu. Descends. Allez. Bon, cette machine est pas fou et puis en plus, il y a un petit trou à l'arrière donc moi je vais récupérer mon collier de bonbons. On a chacun gagné notre superbe collier de bonbons. Bon, bref, on passe à l'objet suivant. Bon, hé, hey, Diabolo, t'es toujours aussi musclé. Hein. Ah bah ouais, mec. Allez, voilà, c'est des super abdos. Allez, bon, on récupère directement un objet dans ce colis. Donc, c'est parti. Alors, lequel on pourrait prendre? Oh, et si on prenait ce carton-là, regarde. Wow. Oh, mais mec, ça, c'est pas l'un des jeux les plus dangereux de Amazon. En effet, on tient entre nos mains un produit très dangereux qui vient d'ailleurs directement, je crois, de Chine. On va déballer tout ça. Pas sûr que ce soit autorisé en France tellement c'est dangereux. Oh, what? Moi, je suis pas sûr de vouloir y jouer, mais pour ta vidéo, bon, c'est parti. Ok, bon, on va y jouer quand même. Oh, what? En fait, ça fonctionne comme le crocodile dentiste. Il faut appuyer sur les petites dents et à un moment donné, la bouche va se fermer, découpant notre doigt. Oh, tu penses que le doigt va finir découpé? J'ai bien peur que c'est possible. Donc, on a une chance sur deux. On va appuyer jusqu'à ce que la bouche du dinosaure se referme. Et d'ailleurs, vu que je l'ai dans les mains, on va directement cliquer sur un premier. Allez, celui-là. Ok, c'est bon. Je suis très concentré. Mais j'ai pas envie, Twinner. Vas-y, clique. Allez. Oh, let's go. Ça veut dire que j'ai beaucoup plus de chances qu'il m'arrive une dinguerie. Allez, je vais cliquer là. Celle du milieu. Ok, c'est bon, ça passe. Oh là là, Diabolo. Ok. Ah, mais en fait, ça va. Bah, quoi? Attends, ça t'a pas fait autant mal que ça? Vas-y, on refait une partie vite fait. Ok. Non, en fait ça fait peur, mais finalement ça fait pas si mal que ça. Bon, on passe à l'objet suivant. Et dans ce colis, il y a des objets farces à trappe. On va faire une petite blague à Diabolo. Bon, on va directement ouvrir ça et regarder ça. On a des fausses blessures au doigt. On a un objet qui fait des bruits de paix. On a des glaçons avec des petites mouches à l'intérieur. Et pour terminer, un caca dégoûtant. L'objet m'intrigue un petit peu. Apparemment, ça ferait un bruit de paix. On va tout de suite tester ça et voir si c'est vraiment le cas. Bon, les potes, je crois que c'est clairement super nul comme objet. On va directement maintenant, par contre, tester celui-là. Une blessure au doigt. Oh là là, je vais faire tellement peur à Diabolo avec ça. Voilà. Regardez ça, les potes. On dirait réellement que je me suis planté un clou dans le doigt. Et il va tellement y croire. C'est maintenant l'heure de faire un gros bruit avec ce petit tournevis. Aïe. Mais qu'est-ce que t'as essayé comme jouet encore? Mec, j'ai essayé de jouer avec ce clou et ce tournevis et regarde. Non, il s'est évanoui, Diabolo. Non. Oh, Diabolo, c'était une blague. Regarde. Ok, waouh. C'est quoi cette dinguerie? Relève-toi. Oh, j'ai cru que ton doigt était percé, je suis tombé dans les pommes. Mais oui, évidemment, c'était carrément une farce et attrape. Et là, je crois que je t'ai bien eu, t'es carrément tombé dans les pommes. Mec, oh, mais c'est tellement réaliste. Attends, je vais l'essayer. Oh, c'est une grosse dinguerie. Waouh, ok. On est sur une farce et attrape qui était pas si chère que ça. Mais franchement, c'est très réaliste. Et je mets une très bonne note pour cet objet. Qu'est-ce que c'est censé être ça? On dirait un chien en première vue et il y a écrit banque. On dirait encore un jouet dangereux, hein. Moi c'est tout ce que je vois. On dirait un truc qui peut me manger le doigt. Qu'est-ce que tu m'as encore ramené, Twinner? Bon, tu sais quoi? On va déballer ça tout de suite et essayer de comprendre à quoi peut bien servir cet objet. Boum! Et voilà du coup notre objet. Alors il y a écrit Chokenbako. Mais si on met son doigt sur la gamelle, à ton avis? Vas-y, essaye! Non, j'ai peur, il peut t'attaquer. Oh, what? Attends, fais voir. Ah! Attends, quoi? What? Attends, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peut-être ma petite idée. Il y a un trou juste ici. Peut-être que c'est une tirelire. En plus, il y avait écrit banque, non, sur le jeu. Donne-moi une pièce, espèce de radin, là. Mais c'est ça. On va lui donner des petites pièces. Wow, ok. Ah ouais, Twinner, il est vraiment très très riche. Regardez-moi ça. Ok, let's go, c'est parti. Ok, on va voir ça. Est-ce que... Attends, quoi? Mais c'est vraiment un chien tirelire. Vas-y, essaye. Attends, genre mets-la un peu vers le milieu. Ok, une pièce de 5 euros. Ok, elle est vers le milieu. Normalement, le chien va pas réussir à la manger quand même. Non, arrête. Mais quoi? Mais
Mais pièces, elles sont où? Mais c'est le chien qui les a mangées. Attends, il faut le taper sur la tête. Mec, cet objet est trop stylé. Je pense que arrête de mettre des pièces dedans, on est en train de tout perdre. Je pense que ça va devenir ma tirelire officielle. Mais mec, on peut même pas ouvrir ta tirelire. Peut-être qu'il faudrait mettre un gros coup de marteau ou quoi. Oh, what? Je vais voir. Oh, ok. Parfait. Bon, tu sais quoi? Je vais mettre mon doigt directement dessus, ok? C'est parti. Moi, je m'en fiche pendant ce temps-là. Hop là. Allez, Twinner, à la prochaine. Mais Diabolo, t'es sérieux? Je suis en train de me faire bouffer le doigt et toi, t'es en train de partir. Pour l'objet suivant, on nous a conseillé d'aller dehors. C'est pour ça, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est censé être ce truc-là? C'est une fusée qu'on va envoyer sur Mars? Oh, waouh, mais ça c'est super puissant, je reconnais. Ça va monter tellement haut. Oh, et en plus, regarde, Diabolo, il y a deux petits gonfleurs. Ça veut dire que chacun notre tour, on pourra bien appuyer pour faire monter notre fusée jusqu'à sur Mars. Ça te dit qu'on déballe tout ça? Vas-y, j'ai super hâte, vas-y, ouvre ça. Ok, allez, boum. Alors voilà les fusées que l'on va faire décoller. Je sais pas jusqu'à où ça va aller, mais en tout cas j'ai hâte. On a ici des petits tubes et tout, enfin, je sens que la construction va être un peu compliquée. Oh, what? Et ça, c'est donc les gonfleurs. Voilà, je pense que ça doit se mettre sûrement ici et tout. Tu sais quoi, on monte tout ça et on vous présente ça. Voilà la construction que l'on vient de créer. Regardez, donc là, ici, il va donc y avoir les catapulteurs. On peut directement installer nos deux petites fusées avec Diabolo. Hop, on y va. Ok. On a mis nos superbes fusées. Et maintenant, comment ça se passe? Vas-y, ouais, Diabolo, essaye pour voir. Quoi? Vas-y, caméraman, va un peu plus loin. Je vais essayer de faire mieux que Diabolo. Il l'a envoyé tellement haut. C'est parti. Ok, je vais sauter dessus. Vous êtes prêts? C'est incroyable. Vous savez quoi? Au pire, Diabolo, t'es pas chaud, on s'unit et on met un gros coup de pied en même temps sur un endroit. Je pense que moi, c'est plus efficace si toi tout seul, tu sautes vraiment. Ok, vous êtes prêts? Okay. Vraiment, cet objet est incroyable. Quelle note tu mets sur 10? Mec, je mets la note de... Mec, je mets la note de... 10 sur 10. On a deux objets qui sont très très lourds, Diabolo. Je sais pas ce que c'est, mais waouh. Je vais t'en passer un, je vais aussi en prendre un. Ok, alors j'ai l'impression déjà que c'est la même chose. Vas-y. C'est quoi? C'est un jet de plongée? Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Je sais pas, mais vas-y, viens, on le déballe. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a exactement la même chose. Et d'ailleurs, il y a une petite notice. Oh mec, c'est quoi ça? Il y a un ventilateur. Il y a un ventilateur et surtout, regardons cette image. Non. On va se transformer en sumo. Après avoir été musclé, je vais être super gros. Les potes, regardez ça. Nous allons devenir des sumo, je crois bien. Ça te dit qu'on teste ça? En tout cas, la notice, je comprends absolument tout. Ça a l'air super clair. Hey. Ok. On va donc maintenant passer les 24 prochaines heures en sumo. Et maintenant qu'on est en sumo, déjà, et en vrai, je sais pas pourquoi, mais je me sens super confortable. Et toi, Diabolo? T'es vraiment super confortable. Je préfère être gros que musclé. Maintenant qu'on est des sumo, je te propose, Diabolo, qu'on fasse un petit jeu. Ça te dit qu'on va en extérieur? Vas-y, c'est parti, let's go. Regardez, pote, ça y est. On est de retour dehors et vous pouvez le voir, on a des cages de foot. Qui se met au goal? C'est moi, je vais me mettre au goal, let's go. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Allez, c'est parti, les gars. Eh, les potes, c'est incroyable. Bon, je vais essayer de mettre un petit but. Il y a Ronald Grand. Bon, c'est un peu compliqué. Vas-y, Diabolo, attends. Viens dans les cages, c'est parti. Si je mets la balle dans le trampoline, t'es obligé de t'abonner. Bon, elle a fini dans l'arbre, mais abonne-toi quand même. Et puis t'as deux nouvelles vidéos, une qui s'appuie sur ma tête et une sur la tête de Diabolo. Clique sur une des deux et à la prochaine.